Qu'est-ce que le métier de formateur technique en agroéquipement? Vous avez 2 heures. Le métier se découpe en 3 activités principales. Tout d'abord, se former, puis préparer les sessions support pédagogiques, les formations en ligne, et enfin, animer les cours théoriques et les démonstrations en atelier dans différents domaines techniques, hydraulique, moteur, électricité. Pour exercer ce métier, il faut être à l'aise à l'oral, organisé, polyvalent et pédagogue, et maîtriser les langues étrangères pour la documentation technique et les stages à l'étranger. Pour préparer les sessions de formation, ces professionnels travaillent essentiellement sur ordinateur et à l'aide de maquettes pédagogiques et de simulateurs. Ils doivent se former sans cesse pour connaître les nouveaux équipements. Il faut savoir rester dans le coup. Ce métier s'exerce en salle de classe pour la partie théorique, puis en atelier pour la partie pratique et les applications sur machine ou simulateur. Le salaire varie en fonction du lieu d'exercice et du type d'entreprise. Après plusieurs années d'expérience, ce métier est un tremplin pour exercer les métiers de concepteur ou gestionnaire de formation ou encore responsable de service après-vente ou inspecteur technique. Pour se former au lycée ou à l'université, on peut préparer un BTS, une licence professionnelle, un master ou un diplôme d'ingénieur à plein temps ou en alternance. Des qualifications sont également proposées en formation continue. La plupart des métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à vous renseigner. Soyez curieux, d'autres métiers sont à découvrir.